Ok, c'est parti. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Vous parlez français ou pas? Just un petit peu. Un petit peu. Un peu. Ok, alors bienvenue dans notre journal associatif de Tarn Music and Live. Alors on va vous poser quelques questions parce que vous êtes quand même assez connu dans le monde américain. Bon alors déjà, tout d'abord, vos débuts, hein? Votre première scène, pouvez-vous nous en dire? Monsieur Beatman. John, vas-y. Monsieur Beatman. Explain. I remember, je me souviens. Je me souviens. C'était with Madonna. Madonna, Revel. Très connue dans le Tarn, oui. South of France, wonderful, merveilleuse Madonna, comme d'habitude. Toujours cocaïne, volonté, des choses importantes. Quoi? Cocaïne, putain. Bitch. So much bitch. Josh. Michael. Ah, it's a secret. Yeah. Remember, yeah. Okay. And you, Mr. Michael Tucker. Yeah, it was the same. The same for me. Pareil. I played with him on Revel. It was a great show. Yeah, Revel. Yeah. Great with show. A lot of great show. The mask. With a lot of dancer. Dancers. Beach. No. Yeah. Beach. Merci. Remember. Yeah. Do you want beyond the camion? Track. Yeah, behind the track. Yeah, okay. Yeah, I remember right. Ryan. Yeah. Yeah, it was cool with with him. Yeah. Okay. D'accord. Alors rappelons-le, John Beefman, vous êtes bassiste, c'est ça, bassiste. Vous avez commencé à l'âge de 5 ans. Yeah. Déjà. Et dans les bras de votre nounou. Yeah. M'a raconté. Pas entre les bras. Entre les cuisses. Entre les cuisses. Yeah. Ok. Et vous, donc Michael Tucker. Yeah. Grand guitariste reconnu. Déjà, on a vu plein de magazines parler de vous. Non, thanks. Magazine porno. Porno. Sexual. Yeah, ok. Beach magazine. Beach. Okay. Yeah. Yes. I know. Et donc, vous avez joué sur un album de Madonna. Et bon, ce qu'on aime bien savoir, parce que vous avez fait pas mal de tournées en France, surtout sud du Tarn, et vous connaissez très bien la France, est-ce que vous connaissez vraiment la cuisine? Et on se demandait, avec ma collègue, si, par exemple, vous avez mangé de l'escalope. Alors, juste pour dire, c'est quelle est votre consommation d'escalope, quoi, annuelle à peu près After the concert Before Madonna tours. I don't know, really, I don't know. Je ne connaissais pas escalope. Oui, escalope, si. When I because escalope is dendon. Plusieurs façons dendon. De la cuisiner. Generous escalope. Yeah, mm-hmm. I prefer with sauce. Oil. Sauce. Beef. Yeah. Beef a lot man. Of sauce. Yeah, it's my name, Beef Man Escalope. Is your question? Yeah. Is your question? Ouais, exactement. C'était pour savoir si vous en mangez beaucoup. I love so much. Excuse me. Yeah, honest. Yeah. What? No. Yeah. No. It's honest. No. Yeah. I can't play tonight because I'm in France for interview. Yeah. No. You know. No. No. You are not. No. Comment dire en français? Bello. I'll see you later. Bye, Anastasia. Ciao. Ah, c'est très important, vous avez eu Anastasia au téléphone. Yes. Donc, vous avez joué aussi avec elle. Yeah, I played for 6 months ago. Yeah, mais... Tremengus, il me semble savoir. Tremengus. D'accord, et j'ai bien compris, alors il y a une petite anecdote qui tourne sur les sites web actuellement, c'est, elle s'est cuisinée, est-ce qu'elle vous a fait goûter son escalope? For me, yes. Yes, for yes, you, so... Yoto. Très bon groupe. Bono était là aussi. I connais Jean Bono. Jean Bono. Wonderful guitarist. Yeah. Jean Bono.
Jazz guitarist. Jazz guitarist. À ce sujet, Exactly. J'aimerais, Michael, excuse me, yeah. Mister, remercier mes sponsors for the first. On m'a dit en France, beaucoup enregistré, much record. Donc, record, j'ai trouvé record my, pour enregistrer beaucoup record. Voilà, and for the second, très bonne on m'a dit, la Tarnaise. C'est vide, me dit, ça n'a rien, c'est vide, bon, et voilà. Yeah, thanks. And Michael, if you want to... I work with a long time with Digitech, and I love her, I love her sound, so I must do this, now. So voilà. Thanks yes. To Digitech. Yes, it is. And, but if you are blonde, with an enormous protrins, it's interesting. Yeah. Call me. Yeah, I love this. Call me. D'ailleurs, call him and je, en France, dit Richie Wellunet, c'est pas très poli. Voilà. J'ai toujours. Remettez-les. Ah, peut-être les lunettes, oui, c'est mieux. La lumière, ça va pas. Ok, voilà, je là, remets les lunettes. Ok. Voilà. Another question? Oui, moi j'avais une question parce que bon, voilà, je suis quelqu'un qui est quand même assez proche de la nature, tout ça. Et en fait, j'aurais You're aimé savoir. To me? Oui, I'm talking to you, motherfucker. Et j'aurais aimé savoir si vous aimiez les chats. Cats, wonderful, marvelous, marvelous. I love cats. I hate cats. J'ai entendu dire que avec Monsieur donc John Beefman, qu'il y avait eu une histoire avec un certain chat qui bon, ça a fait scandale dans la presse. I want not to talk about this. Je sais story. Que ça a été une histoire compliquée. C'est très dur. C'est vie privée. Amour de moi. J'ai perdu cette personne que j'aimais beaucoup. Que couper. Mais oui. Vous savez quand même que ce chat, après l'histoire qu'il a eue avec vous, a quand même fait nombreuses interviews où il a quand même un petit peu parlé de votre histoire de manière assez négative. Bah, ce qu'il faut dire, excusez-moi, je me permets de te couper, mais c'est qu'il a fait nombreuses tentatives de suicide après cette histoire et il l'a dit à la presse. Voilà, il a dit c'est à cause de John Beefman. Alors est-ce qu'on pourrait avoir un peu plus d'explications? Est-ce que l'accident de queue est vraiment un accident? Non. I think it's important to... It's private life. J'aimais ce chat, mais les croquettes, puis les griffes... C'est pour lui, j'ai fait ça, je dois dire. Tout mon avis, j'ai nouveau. J'ai nouveau, voilà, c'est ça que... Un hommage à l'accident qu'il a eu. Là, voilà, enfin, excusez-moi, c'est un peu trop... D'accord. Excuse-moi. On comprend que c'est compliqué. Bichon. Bon. Non, bichon. Et vous, monsieur Tucker, vous voyez les chats? Yeah. Vous préférez les chiens, je crois. Yeah. Les chiennes, peut-être. Et que dites-vous aux gens qui pensent que le chat de... Bon, l'amour de monsieur Beefman se serait fait manger la queue par un chien? Je pense que c'est... You fuck my wife! No. You fuck my wife! Bon, passons. I think it's important. I think it's the life, the plus gros mange le plus petit. And I think the dog is stronger. Le chien est plus fort. Plus fort, oui. Plus fort. Que le chat. And I prefer dog. Michael, yeah. I think Mr. Prejudice have another question. Ah, sorry. So I'll listen you. Okay. No. I'm sorry. It's very interesting. Eh? Yeah. Continuons. Alors, c'était pour savoir donc les prochaines dates de votre tournée. In France, in the world. Revel, just tell. Tremengus, une autre. Hein? Tremengus, we have a project for playing in Augmontel during three months. Yeah. Une très jolie ville, station de ski. With personnellement mon batteur préféré français
Jean-Michel Giroux. Giroud. A Tunisian boy, an exceptional batter. Yeah. Exceptional batter with metrizing of record. Yeah, the recording bad, the best the, drummer, the stud with my remember. Excuse me, Lucas Reich, I like with Jamiroquai, Intro Mangus with Jean Michel, Jamie Mangora. French guitarist, exceptional. Yeah. And Jamie Mangora. I love the singers with him. Yes. Yeah. Yes. Francesca Lop. C'est le mieux que la peut donner la France. C'est une super chanteuse. J'ai entendu dire ça aussi sur les sites web. She's wonderful. Mais awesome. Je sais pas comment on dit. Yeah. Aucun guitariste ne peut faire chanter Francesca Lop comme Jamie Mangora dans Francesca Lop. Yeah, I think it's that. And I hear they make a show on a Mirandol Bounounak. Yeah, Mirandol Bounounak. And I don't know. But I think if we are here, enfin, if si nous sommes ici encore. Parce que non, la tournée, c'est important quand même. You are an American kid, non? La tournée, no. La tournée. No. You like couscous? No. Okay. Just, I think I want to see Francesca Lop. We must say the last date in France for these years is in the pays of... La soupe au chou. No, well, in France, Bulgarash. Bulgarash. The last date in Bulgarash with Anastasia, Jamiroquai, Puff Daddy, and in guest of Puff Daddy, grand chanteur. Yeah. Black man, I love black man. I love, but the must of spectacle is Britney Spears. Britney Spears. In France, I love his guitarist, François Gentil. Britney Spears and his guitarist, François Gentil. François Gentil. It's formidable. After the cheese, après le fromage, je pense c'est France qu'elle a fait de mieux, François Gentil. François Gentil. Ok. Formidable. Bon, c'est super. Alors, on a passé un super moment avec vous. Yeah. Non, vraiment pareil. Ouais. Very nice. J'adore beaucoup. Excuse us for French. Je vois que tu comprends vraiment à ce que je raconte. Sinon, voilà, vos projets sont faits pour les prochaines années. Vous allez jouer avec de nombreux artistes. Yeah. So very much. Bien. Yes. Daddy, Jamiroquai. Voilà. Vous êtes surtout soutenu par de très bonnes prods. Record, yeah. Connais pas bien production française. Record, production, French production, record. Voilà, ça boit avant d'aller au lit souvent. Et on vous souhaite vraiment bonne chance pour la suite, surtout pour venir en France, quoi. C'est y a vraiment des super concerts, quoi. Thanks. Et puis on vous remercie. Yeah, so John much. John Pifman. Le meilleur bassiste, Michael Tucker, Classio aussi. Et donc, à la prochaine fois, et j'espère qu'on se recroisera sur les prochaines tournées. Yes, thanks very much. And we'll love Pipou. Pipou? Yeah, baby. Bye bye, friends. Bye. See you later.